Condé, je l'ai dit hier, avant-hier, qu'il est devenu président par accident de parcours politique. Vous avez remarqué, pendant 3 semaines, il disait qu'il n'a pas l'argent pour payer les enseignants. Vos enfants ne sont pas allés à l'école. Mais vous avez remarqué aujourd'hui qu'il avait suffisamment de moyens pour trouver un arsenal important et des moyens humains importants pour réprimer ce qu'il peut faire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Avant de commencer la parole, je voudrais dire ici plus haut qu'ailleurs que l'autoroute est un territoire guinéen et qu'on va manifester là-bas. On mettra prochainement tout en œuvre pour déjouer le complot des antidémocratiques piloté par Alpha Condé et les forces de désordre. Ce que je veux, écoutez, nous avons compris votre frustration. Nous respectons votre volonté. Nous allons nous retrouver. On va vous décliner une série de manifestations. Et soyez sûrs que nous allons marcher sur l'autoroute. Soyez sûrs que nous allons marcher sur l'autoroute. Mais d'ici là, je vous dis, nous allons vous dire où et quand et comment on va marcher sur l'autoroute, mais on marchera sur l'autoroute. Personne ne va nous interdire de marcher sur l'autoroute. Je voudrais que cela soit clair pour tout le monde. Dis-moi. Je suis convaincu d'une chose, c'est que vous qui êtes là, vous êtes des jeunes de conviction. Vous n'avez pas peur de la répression d'Alpha Condé. Vous ne pouvez pas être acheté par tout l'argent que Alpha Condé possède. Et je suis convaincu que vous êtes déterminé pour faire Elassie Ndoundaleye Diallo le futur président en 2020 de la République de Guinée. Donc soyez sûrs que Elassie Ndoundaleye Diallo étant un démocrate est à l'écoute de ses militants. Ce que vous voulez devient une loi chez nous, soyez sûrs. Maintenant, ce que je voudrais que Alpha Condé et ses acolytes comprennent, c'est que vous êtes déterminés, un, faire en sorte qu'il y ait la lumière sur tous les assassinats ici. Deux, il faudrait que ce qu'on nous a volé, les procès verbaux qui ont été modifiés ou les procès verbaux qui ont été considérés perdus, tant qu'on n'est pas rétabli, il n'y aura pas de maire, il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas de tranquillité. La paix en Guinée est à ce prix. Deuxièmement, je voudrais dire à la presse, nos amis de la presse, certains disent que c'est le quatrième pouvoir. Moi, je peux même dire aujourd'hui, c'est le premier pouvoir en Guinée. Parce que quand Alpha Condé a décidé de considérer Souma de Sled comme un traître, comme un bandit avec sa grève de sauvage, c'est grâce à la presse que Souma est devenu un leader syndical et il a permis non seulement d'améliorer le salaire des enseignants, mais aussi de toute la fonction publique guinéenne. C'est grâce à cette presse-là. Mais quand j'entends la presse maintenant dire, parce que vous avez manifesté, les assassins ont tué les gens, changé de stratégie ou laissé de manifester, ça je suis étonné, parce que nous avons été tous et nous avons condamné l'attaque que le groupe Adapo Média a subi, l'attaque que le groupe Évasion a subi, la violence exercée sur la presse. Mais j'ai été fier
quand j'ai entendu Ramil Girassi dire, quelle que soit la pression qu'ils mettront sur nous, quelle que soit la menace et l'intimidation, nous allons résister, nous allons faire notre travail, faire en sorte que la vérité soit dite, qu'il y ait pluralité d'opinion en Guinée. Mais pourquoi la presse voudrait que nous, les politiciens, nous qui sommes là pour encadrer et la presse, et la sécurité, et les agents économiques, et toute la Guinée, qu'on renonce à notre mission? Je crois aujourd'hui, il est important pour tous les Guinéens, y compris les journalistes, de faire en sorte que la tuerie cesse. Si on dit aujourd'hui, il ne faut pas manifester parce qu'on a tué, et demain si on commence à manifester, si on dit 20 personnes, on va à laisser, moi je crois que c'est renvoyer le problème devant. Quand il y a un problème, il faut chercher la cause. Quand on connaît la cause, on traite le problème d'une manière définitive. Aujourd'hui, la cause, c'est Alpha Condé parce qu'il est incompétent. La cause, c'est Alpha Condé parce qu'il n'a pas pitié de son peuple. La cause, c'est Alpha Condé parce qu'il aime la médiocrité et il s'entoure des médiocres qui ne savent que réprimer et non donner le travail et l'espoir à la population guinéenne. La cause, c'est parce qu'il y a l'injustice en Guinée. Le premier qui a été tué lors d'une manifestation ici, Zakariaou, le martyr Zakariaou, s'il avait été rétabli dans ses droits, bien qu'il n'étant pas dans ce monde, mais que les assassins et leurs commanditaires avaient été jugés, condamnés, aujourd'hui on n'aurait pas assisté plus de 94 morts dans notre pays. La cause, c'est le fait que nous-mêmes, nous acceptons cette médiocrité. À part la médiocrité, à part le pouvoir d'Alpha Condé, à part les cadres malhonnêtes, hypocrites, poltrons, cupides. Donc, Ouamana a encore fait la Guinée-Kébert. Ouamana a encore fait la Guinée-Kébert tant que Alpha Condé n'a pas fait la Guinée. Parce que Alpha Condé vous parle de la Guinée-Kébert. Alpha Condé parle de ma mine dans Kidima. Donc on a découragé de Nana Rassali à la bande.